ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد C'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Majah, Rahimallah l'a rapporté dans le chapitre de l'ascétisme. Et il a été jugé acceptable par le sheikh l'Albani, Rahimallah. C'est le hadith de Abu Ayyub l'Ansari, radiallahu anhum. Il rapporte qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ô oh messager d'Allah, exhorte-moi de manière succincte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, lorsque tu te lèves pour prier, Fais comme s'il s'agissait de ta prière d'adieu de ce bas monde. Ne prononce pas de propos qui pourraient te porter préjudice demain, et ne place pas tes espoirs dans ce que les gens possèdent. Donc cette personne est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des conseillers, car c'est l'homme qu'Allah ta'ala ta a choisi pour être son messager, son ami intime, et il l'a envoyé comme miséricorde pour les mondes. Donc quel meilleur conseiller que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu le voir et lui a dit Ô oh, messager d'Allah, fais-moi un rappel en quelques mots. Résumé. Alors, le messager d'Allah lui a résumé cette exhortation en trois phrases. Le premier conseil et la première exhortation du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa c'est une injonction à accomplir de manière parfaite la salat. Car la salat, c'est l'œuvre du corps la plus aimée d'Allah. Dans l'islam, sa place vient juste après la double attestation. Et elle est le pilier de la religion. Le seul ordre pour lequel Allah a fait voyager le prophète de nuit, puis l'a élevé au ciel pour lui donner l'ordre de la salade, pour montrer sa valeur. Donc, la première injonction et la première recommandation, c'est qu'il fasse parfaitement sa salade. Et qu'il fasse tous les efforts nécessaires pour la pratiquer de la meilleure des manières, intérieurement ou extérieurement, c'est-à-dire que son cœur soit présent au moment de la salat, et qu'il fasse de manière parfaite la préparation d'un salat, que ce soit toutes les conditions, que ce soit les ablutions, que ce soit toutes les conditions pour que la salade soit valide, de faire même des œuvres surérogatoires qui renforcent cette salat. Comme Allah a dit, même rien que dans s'habiller, le fait. De mettre un vêtement propre pour se présenter devant Allah, de s'embellir pour la salat, de mettre le vêtement qui cache la nudité, mais aussi de mettre un beau vêtement, un vêtement propre avec lequel on aime se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, comme une personne qui se préparerait pour se présenter devant un roi de ce monde. Est-ce qu'il irait avec un vêtement froissé ou taché ou je ne sais quoi Non. Donc toutes ces choses-là qui aident à. Par faire la salat, que ce soit dans la préparation, que ce soit les prières surrogatoires, que ce soit de faire les ablutions correctement, que ce soit de vider son esprit et son cœur de toutes les affaires de ce bas monde pour se concentrer à cette salat, que ce soit dans le fait d'apprendre correctement la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc d'apprendre à faire les ablutions correctement les actes de la salade, les piliers, les obligations, les œuvres surrogatoires, ce qui est détestable, etc., et de les pratiquer correctement, de se concentrer sur la lecture, etc. Donc, le fait de faire sa salade correctement, ça demande de se remettre en question avant chaque salade. Car sinon, ça devient une habitude et non plus une adoration. Quand un enfant, on l'appelle à faire la salade à 7 ans, quel est l'objectif Qu'il s'habitue à la faire pour que cela devienne une adoration. Mais le cas contraire, c'est la personne qui au début le faisait d'une manière correcte comme une adoration pour évoquer Allah Ta'ala, puis ça devient à la fin une habitude. Il y a une heure, il se lève, il prie parce que c'est son habitude. À cette heure-ci, il faut prier. Non. Ni son esprit il est là, ni il, il prête attention à cette salade, ni il l'a fait correctement, ni rien. Comme un corbeau. Donc, le fait de faire correctement la salade, c'est le fait de préserver tout cela. De préserver ses actes obligatoires, ses actes surrogatoires, les paroles, les adhkar, les invocations et d'avoir le cœur présent. Et d'essayer d'atteindre le plus haut degré en islam qui est l'ihsan. C'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire quand tu rentres en salat, tu oublies tout le monde. Tu oublies où tu es. Tu sais que tu es devant Allah en train de réciter le Coran. Et Allah te répond. Tu l'adores comme si tu le voyais. Et Allah te répond, comme il est venu dans le hadith sahih Huraira. Non. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa, alihi wa sallam, pour l'aider à mettre en pratique cela, donc à prier avec humilité, sincérité, quand il est debout, en inclinaison, en prosternation, etc. Donc pour l'aider à atteindre ce noble objectif, il faut que le croyant il se remette en question pour chaque salat. Qu'il rentre en salat avec motivation. Comme si c'était sa dernière salat. C'est pour ça qu'il a dit quand tu te lèves pour la salat fait la prière de quelqu'un qui fait ses adieux. Pourquoi Car il est connu de la nature de l'être humain que s'il sait que c'est la dernière fois qu'il va faire une certaine œuvre ou une certaine chose, il va lui donner une importance particulière. N'est-ce pas Regarde même chez les koufars, ils disent le dernier repas que tu vas prendre avant de mourir, et il lui donne une grande importance. N'est-ce pas C'est la dernière fois que tu vas voir tes enfants. Comment il est avec ses enfants Il les regarde comme tous les jours. On lui dit, c'est la dernière fois que tu es dans ce pays. Toute chose, quand tu sais que c'est la dernière fois, la personne, il le fait comment Avec tout son cœur. Il est concentré, il est dans son maximum. Donc, si la personne, elle se lève, il se dit, c'est ma dernière salade. Après cette salade, Allahu Alam, si je vis jusqu'à la prochaine salade, je ne sais pas. Comment il va faire cette salade D'une manière la plus parfaite possible. Donc, ce conseil du Prophète, wa sallam, en deux mots, et il lui a dit tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Prie la prière de quelqu'un qui fait ses adieux, c'est comme s'il lui avait dit Fais bien tes ablutions, concentre-toi bien, apprends bien ta prière, fais bien les piliers, fais les obligations, fais... etc. Tout ça, il lui a dit avec ces deux mots-là. Voilà. Et c'est seulement quand la personne elle fait la salat de cette manière-là qu'il profite de sa salat, que sa foi elle augmente de salat en salat, et qu'elle est une cause de l'éloigner. Des péchés. Car comme Allah a wa ta dit, Inna tanha a anil wal Donc c'est cette salade qui lui est utile, qu'il prie comme si c'était la dernière fois qu'il va se mettre debout devant Allah a wa ta à réciter ses paroles, s'incliner devant lui, se prosterner devant lui, l'invoquer, l'évoquer par espoir de le rencontrer et son paradis par crainte de son enfer et son châtiment. Donc ça, c'est la première recommandation. Une annotation, il n'est pas sunnah de dire avant chaque salat, quand l'imam dit, ⁇ Salat amouad-dia Le prophète sallallahu alayhi wa il ne le faisait pas ça avant salat. Lui, il est venu le voir, lui a donné ce conseil. Mais avant la prière, il ne se tournait pas derrière les fidèles en disant ⁇ Priez comme si c'était une prière d'adieu ⁇ Ça Ce n'est pas la sunnah du prophète sallallahu de le faire juste avant la prière. Non. La deuxième recommandation que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa lui a fait, c'est une injonction à préserver sa langue et à la surveiller. Le messager d'Allah wasallam) a dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre sa moustache et sa barbe, et ce qu'il y a entre ses deux jambes, je lui garantis le paradis. Et que la personne sera jetée sur sa face la première à cause de ce que sa langue a acquis. Non et qu'il sera enfoncé dans l'enfer de 40 longues années à cause seulement des paroles. Une parole, elle peut être la cause du paradis éternel. Une parole, elle peut être la cause de l'enfer éternel. Quelqu'un, il entre en islam, il dit, il meurt, il entre au paradis. Quelqu'un, il dit une parole de coufre, il meurt, il entre en enfer. Quelqu'un, il insulte Allah. Il se moque de la religion, par exemple. Et il meurt. Une parole. Il ne faut pas négliger cet acte qui est la parole. Et le prophète alayhi wa sallam, lui a dit, ne prononce pas de propos dont tu vas devoir t'expliquer ou t'excuser demain. La personne qui parle à tort et à travers, après, ah, je m'excuse, ah, smahli. ça y est, tu l'as dit. C'est bien. Si la personne s'excuse, c'est mieux que celui qui ne s'excuse pas, il faut réparer. Maintenant qu'il l'a dit, il n'a pas d'autre choix à part s'excuser et réparer. Mais le mieux, c'est qu'il soit retenu auparavant et qu'il ne l'ait pas dit. Comme ils ont dit les salaf, la personne, elle ne peut avoir une position juste vis-à-vis -vis de la parole que quand il considérera ses paroles parmi ses actes, parmi ses œuvres pour lesquelles il va rendre des comptes. Et elle ne va parler que quand c'est bénéfique. Comme le prophète Ali a dit, que celui qui croit en Allah est au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Donc, le croyant, sincère, celui qui a la permission d'Allah, pèse ses paroles et il fait attention à ce qu'il dit. Et il sait que ses paroles font partie de ses œuvres et de ses actes. Et il sait que ses paroles, elles ont des conséquences dans cette vie et dans l'au-delà. Certaines paroles, elles sont la cause de détruire des familles, de détruire des vies. Combien, par exemple, on entend les gens. Prendre à la légère la parole divorce. Pour un oui, pour un non, tu es divorcé. N'est-ce pas Cette parole, elle a des conséquences. C'est la rupture du contrat de mariage, de la relation maritale. Une parole. Il l'a dit tout seul dans une pièce. Elle est divorcée. Il l'écrit sur un papier comme ça, n'importe où. Elle est divorcée. Quelqu'un lui donne, il dit Tu es d'accord avec ça Tu demandes le divorce Il le signe Elle est divorcée. Combien de familles ça a détruit Combien de gens viennent nous voir Oui, je l'ai talaq trois fois. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu veux que je fasse Il l'a divorcé trois fois dans des assises différentes. Je peux rien faire pour toi. C'est fini. Et des familles, elles sont séparées, des enfants, et je ne sais quoi. Non. Après, je cherche des excuses. Oui, mais j'étais fâché. Peut-être j'étais mashour. La plupart du temps, on voit qu'ils ne sont pas sincères. Ils cherchent juste des excuses. Ce n'est pas une réalité. Une parole. Une parole qui détruit les liens de parenté parfois. Avec les parents. Quelqu'un répond mal à sa mère ou à son père. Et il ne parle plus. Il dit, tu m'as manqué de respect. Une parole. Et une autre parole, c'est tout le contraire. Une bonne parole. Allah Ta'ala nous a ordonné de dire du bien à tout le monde. Pour tous les gens. De répandre la bonne parole. dire des belles paroles. Comme الله تبارك wa ta'ala متقوا الله وقولوا قولا wa يصلح لكم sadida. Yuslih لكم a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa فاز yuti' allaha wa فوزا faqad Ô vous qui avez cru, craignez Allah et dites des paroles droites, justes. Quelles sont les conséquences Il arrangera vos œuvres, vos actes et il vous pardonnera vos péchés. Donc, la bonne parole, elle est une cause d'améliorer les actes, de corriger les œuvres et de se faire pardonner les péchés. La mauvaise parole, elle est une cause de corrompre le cœur, de pourrir les œuvres, le comportement et d'accumuler des péchés. Regardez les conséquences de la parole. Sur ça, il y a des livres écrits, il y a des, des méfaits de la langue, etc. On ne parle pas de la médisance, on ne parle pas de, du faux témoignage, on ne parle pas. Allahu Akbar, tout le mal qu'il y a là-dedans. Comme Allah Ta'ala a décrit la gravité de la médisance. Que la médisance, c'est même pas un mensonge. C'est dire une chose sur ton frère qui lui déplaît. Une réalité. Que ce soit sur sa personne, que ce soit sur son physique, que ce soit sur son moral, que ce soit sur sa femme, que ce soit sur ses biens, que ce soit sur ses enfants, que ce soit sur son travail. Une chose qui lui déplaît. C'est comme manger sa chair alors qu'il est mort. Et c'est un grand péché. C'est une parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dis pas une parole aujourd'hui dont tu devras te justifier demain. Demain Ça peut prendre plusieurs sens. Auprès des gens et auprès d'Allah. Avant tout. La troisième recommandation, cela concerne le fait... D'accoutumer son âme, de s'attacher à Allah seul et de se désintéresser totalement de ce que les gens possèdent. Le croyant, il s'en remet en toute affaire à Allah. Il place sa confiance en Allah seul. Il espère en lui. Il le craint. Il l'invoque. Il l'évoque. Et il attend tout le bien qui vient de lui. Et il fait les causes légiférées, alhamdulillah. Mais il ne s'intéresse pas à ce que les gens possèdent. Il y a un autre hadith qui vient corroborer celui-ci. Une personne est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au oh messager d'Allah, indique-moi une œuvre qu'en la faisant, je sois aimé auprès d'Allah et je sois aimé auprès des gens. Il lui a dit, désintéresse-toi de ce bas-monde, Allah t'aimera. Et désintéresse-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'aimeront. Les compagnons du prophète alayhi sallam, ils s'évertuaient, à éviter de demander quoi que ce soit aux autres. Et à s'en remettre en toute chose à Allah. Et on ne dit pas comme certains disent, il s'en remet à lui-même. Ou bien, il manque de confiance en soi. Ça n'existe pas en islam. Bon. Il manque de confiance en Allah. Ou, il a une faiblesse de caractère. Allah Ta'ala, il n'a pas dit de placer ta confiance sur toi. Il t'a ordonné de placer ta confiance sur Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ne nous dirige pas vers nos propres personnes, ne serait-ce que le temps d'un d'oeil d'œil. Puis on utilise les qualités et les forces qu'Allah nous a données en s'appuyant à Allah, sans placer sa confiance sur sa propre intelligence, sa propre force, capacité de déduction ou quoi que ce soit. On s'en remet à Allah ta ta seul dans toutes nos affaires. Père espoir dans ce qui est dans les mains des gens. Oublie-le. Donc certains sahaba, radiallahu anhum, même dans les choses de dîn, dans les choses religieuses, ils évitaient de demander aux gens est-ce que vous connaissez. Il y a un hadith authentique qui prouve que Sahaba ils se disait entre eux Mon frère fait dua pour moi. Vous avez entendu, les Sahaba ils demandent à autre qu'au prophète alayhi wa sallam, parce qu'ils savent que le prophète wa sallam, ces dua sont acceptés. Pour faire dua pour lui, attention, hein, j'ai bien dit pour lui pour d'autres cas, c'est venu. Faire dua pour la Ummah faire dua de demander la pluie ça c'est autre chose c'est un intérêt général. Nous on demande est-ce qu'il y a un hadith authentique Un seul même ça, il ne le demandait pas. Il demande à Allah. Car aujourd'hui, tu vois, dans certains pays où les gens ils sont faibles dans leur dogme, ils vont voir le cheikh, fait de pour moi. Jamais lui, demande à Allah. Quand il meurt, il continue à aller le voir sur sa tombe. Fais de pour moi. Après, c'est plus fais de pour moi. Donne-moi. C'est comme ça que ça arrive. Attention, c'est pas interdit. Sheikh il parle de cette question. Sheikh l'islam ibn Taymiyah aussi, il dit le mieux, c'est de ne pas demander à quelqu'un de faire de pour toi. Mais ce n'est pas interdit. Et on ne dit pas que c'est macro même, détestable. On dit, ah c'est mieux. Car sahaba c'est pas rapporté d'entre eux qu'ils se disaient entre eux, fais de pour moi, fais deux pour moi. Mais on peut demander, quelqu'un qui va à la Mecque, fais de pour la Oumma, fais do'a a qu'Allah facilite pour les musulmans en France. Ça, c'est légiféré. Demander pour l'intérêt général. Même pour soi, c'est permis. Les savants ne disent pas que c'est interdit de le demander, ni même que c'est détestable. Ils disent, mais le mieux, c'est de ne pas demander. C'est pourquoi j'ai voulu citer cet exemple, pour montrer que même demander une de A, ils ne le faisaient pas. Ils s'en remettaient à Allah. C'est-à-dire qu'ils sont désintéressés de tout le monde et de tout. Ils ne cherchent pas ce qu'il y a chez les gens. Ni le matériel, ni la religion, ni la jalousie. S'ils voient quelqu'un qui fait mieux que lui dans la religion, il va vouloir faire mieux pour Allah, sans désirer que son frère fasse moins. Mais il n'était pas occupé comme nous aujourd'hui, on est occupé que par les gens. Qu'est-ce qu'il a l'autre Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il a dit Des commères Yachi, occupe-toi de toi, barakallahoufik T'as pas assez de problèmes à t'occuper de toi Désintéresse-toi des gens Désintéresse-toi de ce que les gens possèdent. Désintéresse-toi de ce qui est inutile pour toi. Au contraire, ça va te faire ton mal. Intéresse-toi à ce qui est utile pour toi dans ce monde et dans le-delà. Et ça, c'est les méfaits aussi des réseaux sociaux. Hey là, il fouille. Facebook Twitter qu'est-ce qu'il a dit l'autre qu'est-ce qu'il a pas dit l'autre qu'est-ce qu'il mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'est-ce qu'il a dit ou ce qu'il a pas dit ça change quoi si c'est pas des gens importants ou des gens de la sunna ou des savants on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il a dit écoute qu'est-ce que les savants ils disent profite de ce que les savants ils disent allez ah, savoir ce que l'autre égaré il a dit ou l'autre égaré qu'est-ce qu'on en a à faire ça y est on sait qu'il est égaré on n'en a rien à faire ce qu'il a dit on s'éloigne de lui on l'oublie comme s'il n'existait pas sur terre et des gens, ils sont meufs tout par ça toute la journée. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre Qu'est-ce qu'il a fait l'autre Occupe-toi, barakallah, de ce qui est utile pour toi. Même si ce n'est pas tout à fait ici le sujet directement, la personne qui est concentrée sur ce qui lui est utile, ce dans quoi il y a son intérêt, est-ce qu'il a le temps de s'occuper de ce qui est dans l un, un, chez les autres Quand il y a un intérêt pour sa religion, pour la religion de ses frères, c'est là qu'il va s'intéresser aux autres. Pour les aider, pour les conseiller, pour mettre en garde contre le mal de quelqu'un. Oui, parce que là, c'est une bonne action qu'il fait. C'est une action qu'il va retrouver auprès d'Allah. Et surtout, il se désintéresse de ce que les gens possèdent. Et il n'est pas jaloux d'eux. S'il voit quelqu'un, Allah lui a donné de ses bienfaits, il, il invoque Allah pour lui. Qu'Allah lui mette la baraka dans ses bienfaits. À chaque fois qu'il invoque Allah pour ses frères, il va trouver une douceur dans son cœur. Sa foi, elle va augmenter. Et Allah, il va mettre une baraka dans sa vie. Alors que la personne haineuse, jalouse, qui convoite ce qu'il y a chez les autres. Alors celui-là, il n'est jamais tranquille. Il ne dort pas en paix, il ne vit pas en paix. Il a toujours ce feu qui le brûle de la jalousie de l'intérieur. Et là on voit aussi en trois phrases comment le prophète sallallahu alayhi wa lui a donné trois grandes recommandations. Trois grandes recommandations. La première, celle de préserver sa salat. La deuxième, de préserver sa langue. Et la troisième, de se désintéresser et de ne pas avoir espoir dans ce que les gens possèdent. Plutôt de s'intéresser et d'avoir espoir en ce qu'Allah possède, subhanahu wa et Il est le possesseur de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. A l'inverse, toute personne qui fait le contraire de cela, il ne récoltera que l'humiliation et que le déshonneur proportionnellement, à la force des liens qui l'attachent à ce bas monde et qui l'attachent aux gens ou bien aux paroles qu'il va laisser sortir de sa bouche sans les maîtriser au manquement qu'il aura dans sa salade qui est le pilier de cette religion <muchempe>